La première dame du Sénégal a une fois de plus mis tout le monde d'accord avec sa tenue. Dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu à Beijing en Chine, la première dame du Sénégal, Marie Kone Faye, a fait sensation avec son style vestimentaire exceptionnel. Lors du traditionnel banquet offert par le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, elle a arboré un grand gandoura fleuri qui a mis en valeur sa beauté et son élégance. Le gandoura, un vêtement traditionnel sénégalais, est un symbole de la culture et de l'identité du pays. En le portant, Marie Kone Faye a non seulement montré son attachement à ses racines, mais également sa capacité à adapter la tradition à la modernité. Le grand gandoura fleuri qu'elle a choisi pour l'occasion était une véritable œuvre d'art avec des motifs floraux colorés qui ajoutaient une touche de fantaisie et de légèreté à son look. Mais ce qui a vraiment fait la différence, c'est la façon dont Marie Faye a porté ce vêtement. Avec une confiance et une assurance qui sont caractéristiques des femmes africaines, elle a su mettre en valeur les lignes fluides du gandoura en le drapant autour de son corps avec une grâce et une élégance qui ont impressionné tous les invités du banquet. Le style vestimentaire de Marie Kone Faye est un mélange unique de tradition et de modernité, de simplicité et de sophistication. Le style vestimentaire de Marie Kone Faye est comme qui dirait un mélange unique de tradition et de modernité, de simplicité et de sophistication. Tout simplement magnifique.